Hey coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sauberry. Ça fait une semaine que j'ai pas live, ça fait un peu bizarre de reprendre. Mais aujourd'hui on va commencer officiellement la génération bleue, puisque la semaine dernière nous avons tout simplement fait l'élection. Nous savons qui est notre héritière de cette toute dernière génération d'une autre Sauberry, la génération bleue. Et enfin, on pourra dire ciao Bella à cette série d'une autre Sauberry. Ça veut dire aussi qu'ensuite, il y aura des nouveautés sur YouTube. Oui, hein, vivement, parce que ça commence à faire long tout ce bordel, hein, j'ai envie de dire. Et le chat de Twitch vous dit bien le bonjour, n'hésitez pas à le lui rendre, évidemment. Voilà. Alors, on commence. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, bah toi, t'es pas beau, tu vois. Toi, t'es pas beau. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, programme, c'est de caser notre petite Céleste, puisque c'est elle qui a gagné la course à la nage la semaine dernière, puisque Nila n'a même pas essayé de participer. Hein. Franchement, elle a fait sa grosse feignasse, à mon grand désarroi. Bah, va pisser! Mais, excusez-moi, pourquoi elle a envie de pisser alors qu'elle est verte? Vous êtes étranges comme même les Sims là. Moi, je sais déjà plus comment ça fonctionne. Hein. Alors, si je sais plus comment ça fonctionne, je comptais sur vous. Mais ils sont complètement buggés ces Sims. Alors, ça commence. Donc, Nila n'a vraiment pas fourni d'efforts et Céleste a donc remporté haut la main. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Tout est normal! Puis elle, bon bah, dès qu'elle sera jeune adulte, on la casse avec le premier qui passe, et puis ciao, bonsoir, quoi. N'inquiétez pas, c'était ma caméra de surveillance qui parlait, qui disait que, bah, je sais pas, parce qu'il est 21h, voilà. Oui, donc Nila, non, ne vieillit pas avant 6 jours. Oh, on a encore le temps, alors. Et puis, pour la dernière génération bleue avec notre amie Céleste... Quoi, mais... Entre dans une phase? Mais t'as besoin de te réveiller à 4h50 du matin pour entrer dans une phase, toi? Tu t'es dit que c'était la bonne heure, au plein milieu de la nuit, il y en a qui vont poser une pêche, toi tu t'es dit « Oh, moi j'entre dans une phase, d'accord ?» Et lui, il est 5h du matin. Non, bah non, en fait. C'est complètement déréglé, ces Sims. Vous ne parlez plus dans le chat? Vous m'entendez? Oui, si vous m'entendez. Il fait loin ce micro. Ah! Notre jolie dernière héritière. Elle est bleue de ses cheveux, bleue de ses yeux. On aurait pu l'appeler Isabelle. Parce qu'Isabelle a les yeux bleus. Et bleu les yeux d'Isabella. Elle est notre dernière héritière et son destin est déjà tout tracé. On sait juste pas encore avec qui. Donc, notre héritière étant, elle a le droit de tout faire. Donc, si elle a envie de se lever à 6h du matin pour faire un bout de gâteau, elle le fait. Voilà, c'est comme ça. On t'entend, passionné par le début. Je vais travailler, j'écoute d'une oreille. On va te la couper ton oreille. Regardez-moi ça là! Il fait son sauvage! Il veut mordre sa maman, la main qui le nourrit. Regarde les abonnés là. Ah, tu vois? Ah. Regarde les abonnés, dis-leur en face. Je suis un méchant chat. Je fais que des conneries et en plus j'attaque ma mère sans aucune raison. Dis-le. Petit merdeux. T'es un petit merdeux? Oui, il va finir en chaussettes lui, hein, je vous le dis. Moi j'aurais chaud au pied l'hiver. Ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment, n'est-ce pas? Alors, tu vas nettoyer légèrement, tu vas jeter, on va s'occuper de toi. Maintenant, je n'ai Dieu que pour toi, ma petite Céleste, puisque Papom a fini sa génération, et puis toi, tu es l'avenir de ce notre Sauberry. L'avenir et la fin, la continuité et le terminus. Et puis, tu peux continuer à bouffer ton gâteau, en fait. Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté, mais bon, c'est pas grave. Maman, elle bouffe des chips au petit-déj. C'est logique.
Ah non, mais Jean-Claude, c'est plus à toi de faire à bouffer, c'est à ta fille. Tu fais quoi? À ton cul et à la cocotte. Ouais, je pense pas qu'elle ait les compétences pour. Mais bon, il va falloir qu'on... Alors, oui, parce que... Oui, pourquoi j'ai dit ça? Parce que on doit avoir la compétence... plusieurs objectifs de la génération bleue. Son, excusez-moi. J'ai fait un petit rototo. Déjà, d'adopter au moins un enfant. Donc pour l'instant, elle est adolescente, on peut pas le faire. Maximum de la compétence photo, cuisine et éducation. Maximum de la carrière critique, compléter l'aspiration super parent, se marier avec son amour de lycée, d'où le fait qu'on va lui trouver un chéri, et rester toute sa vie avec, et avoir eu une aventure secret story. Et ouais. Trop de choses, hein. Donc la cuisine, eh ben, ça sera à elle de la faire maintenant. Après, c'est assez rapide, hein, la cuisine, même sans le faire... faire beaucoup de choses, ça se remplit très facilement. Mais on va lui trouver... Bon, écoutez, on est dimanche. Je pense qu'on va peut-être lui trouver son mec. Alors, Guillaume étant le... comment ça s'appelle, le cousin. On va peut-être pas pouvoir l'appeler. Ah bah dis donc, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mathieu. Non. Est-ce que toi, tu as Eric? Tu as Eric. Et avec Ramsey. Et là, t'as Eric et Thierry. Ouais, lui, il est jeune adulte, donc c'est mort. Logan Shepard, tu vas l'appeler. Sean Risque Tout, tu vas l'appeler. Arthur, il est jeune adulte, et donc... Voilà. Me tromper avec mon cousin, t'as pas de valeur. Exactement. Comme c'est le cousin, eh ben, on va pas l'appeler. Mais elle a pas trop rencontré de jeune homme. Hein. On va aller voir le bétail qui arrive, hein, et puis on va... On va voir si ça vaut le coup ou pas. Hein. Alors, le premier. Merde, je me suis trompée de touche. Oh, Carabis touche. Le premier est un blond aux yeux bleu-vert. Ma foi. C'est pas mal. Après, on s'en fout de la couleur des cheveux. Quoique, bah, c'est la dernière génération. Il n'y a plus de couleur après. Donc, du moment qu'ils n'ont pas les yeux marrons, j'ai envie de dire, bon... Moi, tout me va, parce qu'entre bleu et autre chose, on est un. Bon. Salut, Capoti, comment vas-tu? Elle travaille sur la planche. Ah bah oui. Donc, on a ce petit jeune qui s'appelle comment? Eric! De Eric et Ramsey, évidemment. Oh, t'es belle, toi. Miranda Shepard. T'as les yeux marrons pourtant, c'est dommage. Je pense que ça, c'est des gens de la galerie hein, que vous m'avez fait. Donc manifestez-vous dans le chat si c'est votre. Si c'est votre. Deuxième concurrent. Ah, bon bah, il déjà fait... Ça faisait longtemps, hein, les adolescents qui tirent la gueule. Oh, putain. Un petit rouquin aux yeux verts. Voilà, un petit rouquinou qui est visiblement très triste de sa pauvre vie. Et on en a... Wow, voilà, le troisième. Alors là, on commence. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément... Ou alors, peut-être que vous allez voter pour déjà celui que vous préférez entre les trois. Bah lui, il ne porte même pas de temps. Il s'est dit, je rentre. Ah, mais les yeux marron clair. Non merci. Je suis désolée, jeune homme. Je n'avais point vu que vos yeux n'étaient point d'actualité. Alors sinon tu vas te présenter à celui-là et lui. Ah bah tu les connais pas, hein. C'est vrai que tu les connais pas. C'est des potes à ta sœur, ça. Le blondinet c'est le mien. Et ben voilà, Pyriate. GG. Comment tu vas et comment va Shanks? Ah oui, c'est pas à moi qu'on s'adresse, pardon. Je lis des conversations qui ne me concernent pas, excusez-moi. Discutons donc des saveurs de la nourriture, poilot dur. Ah, on va peut-être pouvoir caser Nila avec celui-là. Hein. Bon, ça va, il est pas dégueulasse. Bon, il a une gueule de blasé. Je vais dire une sale gueule de blasé, mais juste une gueule de blasé, c'est pas mal aussi. Ah, non,
elle est pas mal. Allez, hop, adjugé vendu, Nila. Nila, tu vas copuler avec Logan. Logan Shepard, bienvenue dans la famille. Au second degré, évidemment, puisque nous... Je suis désolée, hein, mais les yeux marrons auront eu un effet que tu n'auras pas. Tu seras presque dans le challenge, mais... Trop tard. Tant pis, fallait pas me faire des yeux marrons. Je suis un peu une connasse. Hein. C'est moi la connasse. Salut Taylanor, comment vas-tu? J'aime bien le blanc et le roux, ça va être difficile de choisir. Bon, bah, de toute façon, c'est les deux qui restent pour l'instant. J'ai demandé, tu m'as demandé. Bah, après, je peux pas tout voir sans mon crush, mais vraiment pas mal. Oui, mais moi, je vais bien. Tranquille. Hein? Ah, il est club de théâtre, je veux dire, il est acteur. Comment ça, il est acteur? Je peux pas être acteur, trop jeune. Qu'est-ce qui se passe? Eh hey, non, ça va. Et toutes les meufs, elles sont en pyjama, quoi. Il y a que Pomme. Pomme, elle est méga sexy avec sa petite nousette. Donc, faire connaissance. Tu vas parler de cuisine et te renseigner après de Logan comment on fait crac crac. Salut Tandoori, comment vas-tu? Pour la discrimination des yeux marrons. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le traumatisme des yeux marrons, tout ça à cause de Marie et Messi. Mais oui. Écoutez, moi j'y peux rien, hein. C'est elle qui a pourri la game, hein, qui a pourri tout ma façon de jouer. C'est comme ça. C'est comme ça que je t'aime, pom pom. Salut Charlie, comment vas-tu? Je sais pas, j'ai pas envie d'être trop spoilé, allez je file. Pas de soucis. Bonne soirée. Ça fait une semaine quand même. Et puis j'ai même pas stream, c'est même pas du spoil. On cherche un futur esclave, Marie, c'est ça. Exactement. Écoutez, on a fait le tour de ce qu'on avait dans l'encyclopédie, non c'est dans l'annuaire, pardon, l'annuaire de Nila, parce que même cette pauvre Céleste en avait même pas. Ouais? Non? 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 Où est-ce qu'il peut y avoir des adolescents? Oh Raoul! Mais bon. Oh! Elle est toute vieille! Elle va toute mourir! Raoul, il est déjà là en train de dire. Bon, bah moi j'attends qu'elle crève et je suis prêt à prendre sa place. Attendez. C'est quoi ça? Ah bah non, il est adulte. Bon. Où est-ce qu'ils vont les adolescents de nos jours, à votre avis? Est-ce qu'il faudrait que je mette quartier d'ado pour les attirer? Je vais mettre ça. Je vais mettre... Oups, c'est pas... C'est là. Je vais mettre quartier d'ado dans les traits de terrain. Ça marche très très bien. Quartier d'ado, je vous le conseille. C'est ce que j'ai mis moi, dans le Lord and Lady, puisque comme la plupart du temps ils ne peuvent pas aller à l'école, donc ils ne rencontrent personne. Mais avec quartier d'ado, vous avez tous les ados qui se baladent. Et c'est trop bien, parce que pour faire les connaissances. Puko était le plus beau. Oh non. Oui, non. Oui, non. J'étais en train de bugger, mais je l'ai mis là. Comment s'appelle je sais plus parler. Je ne sais plus parler, il faut les mettre en pyjama pour voir qui va passer l'aspi en slip. Ah! C'est pas faux. Allez, on va voir comment... Oh là là, il y en a qui s'énervent là. Changer de tenue. Tuk tuk tuk, sport, nuit. Oh! Le petit caleçon. Oh! Le petit clin d'œil. GG, le petit caleçon. Changer de tenue.
Attention, révélation. Oh! Oh, bah, il a même d'abord. C'est un jeune homme qui s'est fait du mal. Oh, il a un petit tatouage. Les mecs, ils se retrouvent à moitié nus comme ça. Hop! Thanos, si tu la moitié de l'humanité, nous, on les met. Comme ça, directement en petit pyjama, quoi. Tout est normal. Je ne peux tenir compagnie à ma camarade de tisane. Ça, j'ai pas de la semaine dernière, donc qui est l'héritière, je me rappelle pas. J'ai participé à la prédit sans savoir si je gagnais ou non. Ah, tu sais pas si tu as gagné en plus. T'as pas vu si t'avais eu plus de points. Normalement, ça te le dit. Ah, tu me diras depuis une semaine. Ça a dû. C'est un strip poker. Ah oui, peut-être, oui, on va dire ça. Ah, mais il a fini par s'habiller, lui. Vas-y, passe. Ah, j'allais dire, il a plus son aspi. Ils sont partis, les garçons. Ah oui, bon. Bon, c'était un premier G. C'était un premier G pour l'instant. Maintenant qu'on a mis en quartier d'ado, ça va pulluler. Alors, c'est dommage parce que tu es... Puis t'avais les yeux marrons. Oh, Jess! Bah, Jess, t'es vieux, toi, maintenant. Jess, il est vieux, il est usé, tout ça. Non, Jess, on n'en veut plus, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose à moi si j'entends tout autour de moi. Hello, Elitéo! Un nouvel ado, Yann Perrin. Yann Perrin Perrus va venir lui dire bonjour à ce petit jeune homme. Mais qui suis-je? Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard et tous mes amis ont l'air d'avoir déjà trouvé ce qu'ils veulent faire. Comment je fais pour savoir? Eh bah tu te démerdes. Hein, c'est ton problème. Non, je rigole. Tu as le teint. De toute façon, tu sais déjà ce que tu seras, hein, ma cocotte, hein, je te le dis. Tu seras critique, voilà. Te pose pas trop de questions, t'es dans le Notsoberry, c'est-à-dire que t'as, au niveau choix de ta vie, tu as zéro. Voilà. Ça, autant dire les choses comme elles sont, hein. Elle n'a pas le choix de vivre sa vie, cette pauvre jeune fille. Sa sœur, à la limite, peut faire ce qu'elle veut. Mais elle, malheureusement, elle a le diktat. Salut mamie Oda, comment vas-tu? Et non, j'étais pas très attentive, j'ai travaillé pour ma thèse de master en même temps que le live, j'étais assez crevée. Ah, pas tout. Tu vas liver le 2. Je sais pas, ça tombe, je trouve c'est un mardi, je crois. Si c'est un mardi, oui. Oui, je reprends pour l'instant. Ah non, c'est un jeudi. Ah! Ah, c'est un jeudi, la sortie du Rikikins. Ah, ils me font chier quand même. Dans ce cas-là, je fais sauter un autre live. Parce que à un moment donné, je veux pas live tous les soirs. C'est plus possible, j'ai besoin de temps aussi pour moi. Donc, soit le mardi il saute. Le vendredi, ça me fait chier de le faire sauter parce que c'est des gros lives en général. Donc ouais, je pense que je vais live 2, mais que ça va sauter. Des bisous, Charlie. Tu as installé tous les jeunes prétendants. Non, pas ceux qui étaient trop vieux ou avec des yeux marrons. Au moins, je dis les choses, hein. Voilà, Tu vas te présenter. Regardez ma sacrée cœur de lune avec... Essaye de le réconforter, le pauvre chatty chaton. Fais-lui un gros câlin. Et est-ce que lui, t'es gros nichon sur son torse. Il va sûrement apprécier ça. Ouais, j'avais pas capté que c'était le jeudi. Pour moi, il sort ça le mardi, en fait. Puis on sera un tout petit live. Hein. On fait rien sauter. Ah, ben si, hein, moi, je... À un moment donné, je peux pas. Hein. C'est pas possible. Il faut que... J'ai besoin aussi hein, de ne pas live le soir. Vous comprendrez pourquoi, un jour, peut-être. Mardi, c'est la mage.
Bah, je fais sauter le mercredi alors. On fait sauter le mercredi. Mais pourquoi quand je te dis de parler, tu veux faire autre chose? Il t'intéresse pas? Ça va, hein, il y a pire. Hein. Comment vous le trouvez? Il a des beaux yeux. Hein. Ça veut dire que je décalerai le Notso. Il est choupi, là. J'ai un poil de chat. C'est bon, je l'ai enlevé. Se plaint de son ennui. Mais je sais pas. Amuse-le. Fais des grimaces. Voilà, ça va le dérider un petit peu, là, le jeune homme, là. Yanus. Merde, j'ai déjà fait les grimaces. Oups. Vas-y, complètement bleu sur sa tenue, parce qu'il est tellement bien habillé. On dirait moi. Et comment s'est passée la journée, mon petit chaton? J'ai une vie perso? Non, j'ai pas de vie perso. Ça existe pas. Je pourrais pas le faire vendredi, parce qu'il faut qu'il y ait 24 heures de décalage entre Twitch et YouTube. Sinon, je règle les règles de Twitch. Donc, c'est soit on pourrait faire ça à jeudi. Mignon, il change un peu des autres qu'on a eus. Je préfère le blond. J'ai eu encore un bug. Du coup, je dis après Rikikit. Ouais, je vais réfléchir vu la nouveauté de la chose et des complications que ça complique. Voilà. C'est vrai que le kit a l'air spécial quand même. Hein. Bon, je suis pas sûre d'aimer tout ce qu'il y aura dans ce kit, mais on verra. J'en ai vu un petit peu hier déjà. J'ai quand même été un petit peu sur le live des Team Guru hier. Avec toutes les nouveautés qui vont arriver sur le jeu de base. Les concept art des PNJ. Bon, je suis pas très sûre. Bon, il y aura des nouvelles aspirations, nouveaux scénarios, tout ça, je sais plus trop. Mais en gros, il va y avoir quand même des trucs sympas. Ah, il est actif! Ça veut dire qu'il va nous rester dans les pattes encore plus longtemps que d'habitude. Ah, ben non, de toute façon, on s'en fout, on finit après. Donc il ne mourra pas. Et c'est une bonne chose de ne pas mourir très rapidement. Comment elle a éternué, on a foutu partout la Covidée là. Quelle honte. C'est une honte. Mais non, mais tu aimes le fitness, c'est bien. Actif, tu aimes le fitness, bah non. Si avec ça tu deviens obèse, on va se plaindre. Par contre, jeune homme, c'est quoi ce bat de pyjama, j'allais dire. Ce jogging. Je suis pas très fan. Il est romantique. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Non, alors on va pas draguer parce que sinon vous allez dire ouais, mais tu l'as dragué lui, pas les autres. Elle aura quand même passé sa journée en pyjama, c'est merveilleux. Ouais. C'est bien, s'occupera du ménage plus longtemps. Vous êtes horrible, vous êtes pire que moi. Vous avez conscience que vous êtes plus horrible que moi avec ces pauvres Sims. Qui sont, bon, là pour le coup ils sont masculins, mais quand c'est les femmes, hein. Ah, plus Guillaumus Guirlandus. Oh, je commence déjà à m'endormir aussi. Bah oui, 21h20, complètement l'heure d'aller me coucher. Spoiler alerte, c'est pas vrai, hein. Je me couche pas à cette heure-là. Servir le dîner. Tu vas servir des onigiri. Et à quatre pattes, à regarder des émissions pour enfants. Ah, c'est trop bien. Ah oui, vous la voyez pas. Ah, finalement, il s'est dit, non, c'est mieux de jouer à la console.
oui, d'accord. Hein? On est conscient que le conjoint de l'héritier, il sert à faire des bébés, le ménage. Bah, en vrai, depuis qu'il y a les poussières, ouais. Sinon, avant, bah, il servait vraiment à que dalle, quoi. À s'occuper des gosses. Et après, par contre, bon, bah, c'était... Qu'est-ce qu'on en fait? On lui donnait une carrière, histoire qu'il dégage un petit peu, là, qu'on le voit plus dans nos pattes. C'est horrible. Bon, il y a une époque, j'essayais quand même de leur faire gagner des galons, hein. Souvenez-vous, le mari de Nuage ou la femme de Pulcott. J'avais encore espoir. Après, bon. Le temps passant... Je suis vraiment horrible. I am horrible. You know that I am horrible person. Tu vas te plaindre de l'acteur. Parler de la nouvelle application. Vas-y, c'est toi, on se connaît pas là. Et en passant, les conjoints, on les laisse mourir dans la maladie de rongeur. Oui, aussi, en plus, une fois que ça a pondu, ça ne nous sert plus. Hein. Oh, ça va, on lui a retrouvé une deuxième nana, quand même. Ça fait partie des très rares Sims que je recase après la mort de la femme, enfin, du conjoint initial. Hein. En même temps, mes conjoints, ils meurent rarement aussi. Jeunes. La pauvre Manon. La pauvre petite Manon qui s'est fait démonter par Roger. C'était Roger ou c'était l'autre? Je sais déjà plus. Merguez. Bob Shepard. Ouais, j'aime moins. J'aime moins. Tiens, et ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les beaux yeux bleus. Aïe aïe aïe. Il dit non. T'es un vivant, t'es pas la maman. T'es un vivant, bon, j'ai oublié les paroles, hein, excusez-moi. C'est Hugues Calor. Hugues Calor. Hugues Calor. Est-ce qu'on aura le temps d'aller lui parler à Hugues Calor? On sait pas. Ah! Ah, il se la pète. Oh là là, il se la pète celui-là. Tabarnak! Et quand il marche dans les flancs, ça éclabousse. Hein. Il dit, ouais, t'as vu comment je suis gaulé, moi, t'as vu? J'ai un petit cul tout moulé dans mon jean, t'as vu? Je fais le beau avec mon parapluie, t'as vu? J'ai une grosse bite, ma couille, t'as vu? Non, pardon, c'était pas ça. J'ai pensé, c'est... Si pas compris, vas-y, parle à maman. Exactement. Si t'as bien dit, maman, maman. Si t'as bien dit, oublie-moi. Ah, ça a marché? Ça a marché, peut lui parler? Oh là là! Bon, il est déjà... En fait, il est en chaleur, ce pauvre homme. Il est déjà en chaleur. Elle lui a à peine dit « Eh, salut !» Il y a Agnès à Dantel. Vous croyez que si elle le drague, elle va se faire taper dessus par Agnès? Oh, vas-y, on va tenter. Oh non, elle s'en va. Agnès, regarde. Voilà, mal au dos, la vieille. Règle un petit peu. Elle arrive. Je crois que c'est... Je suis pas sûre qu'elle ait vu. Vas-y, prends une pause sexy. Ouais, bah écoutez, c'est juste pour voir si Agnès, elle est vraiment allergique. Non, ça va. Bon. Merde. Bon. Ah, ça marche, hein. Ah, les hommes, hein. C'est trop facile à avoir. C'est trop simple. Bon. On va juste parler maintenant. C'était pour que la... Ah, il est jaloux! Mon Dieu. Salut la brique, comment vas-tu? Coup de sac en approche.
Il est en chaleur et il s'appelle Calor, c'est normal. Elle arrive. Vieille bique. Vieille peau. Hein? Il est louche, il regarde pas en face. Je sais pas ce qu'il a vu, mais... Ah! Il est peut-être toilettophile. Yeah, il est peut-être qu'il aime les toilettes. Parce que là, il avait les yeux rivés dessus. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu regardais comme ça, toi? Des fleurs, des lucioles, des plantes, des arbustes. Ah, c'est peut-être pas les toilettes. C'est un lampadaire, lampadérophile. Plantophile. C'est bon. Bon. Non, tu vas pas... Non. Mais va prendre ta douche chapeau. Mais toi, t'es... Mais arrête, en fait, de parler au miroir depuis 10 ans. Putain, mais les parents, je les laisse, mais ils font leur vie, quoi. Une grosse envie. C'est ça. Une grosse envie qu'il était déjà en train de kiffer en disant « Ouais, ouais, je vais aller aux toilettes publiques, ouais. » Oh, c'est dégueulasse. Je préfère pas y penser. Je leur ai pas fait faire leur devoir, du coup, je sais pas du tout. Et les devoirs sont pas faits. Et ça, c'est pas bien. Voilà, petit coup de fouet. C'est que moi qui vois des étoiles à la place de certains mots ou tout le monde. Ah, où ça? Ça m'est arrivé, si je clique dessus, c'est le mot anti-gros mot qui est activé. Mais où? Sur le chat? T'as des mots censurés? Moi j'ai rien du tout. Non mais moi c'est moi qu'il faudrait censurer en fait. Les étoiles? Mais où ça? Moi je sais pas. Hein. Moi j'ai rien du tout. Moi rien ne me choque. C'est pour ça. Twitch a dit oh non elle. Enfin si tu peux lui dire même les pires. Tu peux lui laisser voir même les pires choses, c'est bon, c'est mort. Il n'y a rien, jamais rien qui la choquera. Hein. Par exemple, en chaleur, c'est des étoiles. En chaleur? Ah non, moi j'ai tout, hein. C'est trop bizarre. Ah ouais. Je vous crois, hein, mais... C'est chelou. Mais moi, tout est normal de mon côté. Heureusement, comme ça, je peux vous lire. Et pas me prendre la tête à savoir qu'est-ce que vous avez dit. Parce que si je devais commencer à cliquer pour voir... pour finir, moi, hein. Parce que vous êtes des petits coquinous dans le chat. Hein. Malheur, Anne. T'as activé le contrôle parental sur ton ordinateur. Je suis une mauvaise fille, je choque trop. Oh là là, Tandoori. Tandoori, lève les fesses. Voilà. Une petite fessée là, un petit coup de fouet sur les fesses. Ça fait du bien. Ah. J'aime bien jouer avec mes sons. Hein. J'en ai pas mis de nouveau. Hein. Non, ce n'est pas mis de nouveau. Bon, au moins, elle fait ses devoirs. Il va pas en cours avec rien de fait. J'espère que vous avez fait vos devoirs vous aussi dans le chat. Hein. C'est que pour moi le fouet. D'accord, pas de soucis. Je t'en achète rien. Tu veux avec des clous? Clous neufs ou rouillés? T'as le choix. Bah tout le monde dort? Tout... Ah, ban. Nous avons Opaline qui nous fait grâce de sa venue à 1h du matin, évidemment. Et salut Gigi, comment vas-tu?
Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton resub, 6e mois d'abonnement. Déjà. C'est incroyable, ça. Merci beaucoup pour ce diff. Gros bisous à toi, Ismaël Iboul. Merci beaucoup. Et salut à Athéna Simmer. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Co ou agent 21, QQ, j'guide d'un cœur. Attends, elle a dit quoi? Co ou. Elle est complètement jetée, cette chantelle. Eh, ça y est, j'avais activé un truc apparemment anti-grossièreté de Shirley. Ah oh bah dis donc, bah c'est pas moi, hein, tu vois pas des étoiles à passe de ma tronche, hein. Dis donc, je suis déjà en train de briller assez fort. J'éclipse moi-même les étoiles. C'est bon, j'ai dit assez de conneries. Non, fouet classique, je verrai ce que je peux trouver. Je verrai sur Amazon, s'il faut. Mais alors, elle, pareil, hein, vas-y, fais ta vie, 7h... Ah, ça va, 7h du matin, c'est une bonne heure. Après, les filles, elles vont aller à l'école, elles vont faire des connaissances, tout ça. Non, j'ai pas fait mes devoirs, ça fait des années que j'en ai plus. Bah bravo, Camille, bien sûr, t'en as plus. Eh. Ça s'appelle le devoir payé, hein, maintenant. Après les devoirs gratuits pour les professeurs, après, tu es embauché dans une entreprise pour les faire, mais tu es payé pour... Et merci à toi Athéna. Dites-moi un truc grossier pour voir si ça marche. Oh là là, Anne elle veut qu'on lui susurre des mots coquins. Allez-y, sortez-lui les pires insanités que vous pouvez. Ah, qui c'est qui s'est fait surprendre là? Ah, c'est Pomme qui s'est fait surprendre par sa fille. Genre, oupsie. Tu as vu mon gros cul. Pardon. Oui, alors. Céleste. Tu vas manger, Céleste. Tu vas pas avoir le temps d'avoir la vie, Céleste. Je peux pas les manger, y a déjà quelqu'un qui se sert dans le frigo. Ma vie n'est qu'une déception. Ah, puis les onigiri, ils ont pourri en plus. Mais qu'elle est belle, notre héritière! Ah, trop choupette. Elle va dans un état en cours. Elle, ouais, tu te gères, hein, maintenant. T'es une grande fille. Hein. Dans ce cas, je l'ai fait tous les jours. Ah bah oui, bah j'espère bien. Cochonne. Oh là là, Mamie Oda. Ouh là là. Ah bah dis donc, attention à ce qu'elle va... Oh, eh. Mamie Oda se rebelle, les enfants. Faites-moi rêver. Tu es en chaleur, Anne. Oh, bah dis donc. Ce soir, ça se lâche, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es en train de faire quoi? Participer à la cuisine? Ah oui, d'accord. Mais pourquoi vous voulez faire la cuisine? Je vous ai dit que ce serait votre fille, et puis ils sont là, ils font la cuisine eux-mêmes. Tranquille. Turupaskaya! J'ai encore des étoiles pour Coco Juju. Ah merde! Marde! Tabarnak! Je sais même pas si tabarnak ça passe. Attends, je vais écrire tabarnak. Hein? Est-ce que t'as des étoiles? Je sais pas. Aussi. Peut-être que tabarnak c'est du sacre. C'est pas coquin, c'est pas des insultes, c'est du sacre. Bon, lui aussi, il est en chaleur, hein, dis donc. Avec son petit caleçon rose. Non, à cœur. Oh là 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 là, dis donc, ils vont nous faire un troisième gosse, hein. Céleste a rencontré Alexandre. Je crois qu'elle aurait pu s'abstenir, vu la gueule qu'il a. Bon, elle est gentille, hein. Elle a pas d'a priori, cette petite. Elle se dit, bah, de quoi, c'est un mâle. Tu m'as dit de rencontrer des mâles. Oui. Sois un minimum exigeante quand même. Je sais pas, t'as vu comment t'es jolie. Prends pas le premier cajou qui passe. Hein? Quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hey! Tu bosses 24 minutes, ça va. Y a même pas le temps de niquer. Si? Allez, si. Ils vont niquer. Tout seul dans la salle de bain, un petit coup comme ça, ça va bien. Ils vont se mettre de bonne humeur. Et salut Utopia, comment tu vas? Non, tabarnak, j'ai. Pourtant, chaleur, c'est pas grossier. Non, mais c'est le... Oh, chaleur, je pense. Elle a déjà son mal, elle y pense tous les jours. Qui ça?
Ça va pas. Eh, on sait pas qui ça sera son mal. Attention. Oui, chaleur sol gelée. Ouais, bah c'est ça. C'est peut-être un filtre français. C'est-à-dire que maintenant, pronostic et douche, ça passe. On sait pas. Hein. Allez, bonne de coquinouille. Oh là 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 là. Brrr. Mais arrête avec la tasse. Ça va pas bien, non? Après, les gens ils vont dire que tu me traites de pétasse. Projet scolaire. On va faire devoir difficile. Un petit gain de performance, c'est toujours mieux que rien. Fais-toi des amis, je préfère, Gentilienne. Très bien, mais j'ai un peu de mal à me faire à la saison d'hiver. I understand very much. Surtout que là, ça caille. Oh, c'est horrible. Ah oui, effectivement, Linaxel, je confirme que tu es encore en automode avec Coucougnette. Ça marche bien. Hein. L'automode marche très bien. Ah bah, elle est très joueuse. Elle a fait une petite séance dans la... Pardon, madame, je vous avais pas vu. Une petite séance dans la douche. Elle a joué avec des Coucougnettes, d'ailleurs. Et ça l'a mis dans tous ses états. Et lui, il est content. Il va pouvoir se rebalader en slibard tout le reste de la journée. Ah, tu as une vie bien compliquée, mon petit. Ah là là. Tiens, tu vas passer l'aspirateur, parce que les femmes de ménage, évidemment, ne le passent pas. Donc, on essaye douche. Bah, douche, ça passe. Ma pétasse, si tu veux. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Parce que le fouet, ce sera du clou rouillé. Hein, avec déjà du sang séché dessus, de la bave et du pu. Et enfin, tu sais bien que je suis capable de tout. Voilà. En ce temps-là, courrier distribué. 11 000 de factures. 11 000 de factures pour une baraque comme ça. Ah là 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 là. Quelle honte. C'est honteux le jeu, c'est. C'est honteux. Ouais, c'est ce que je disais. C'est honteux. Et c'est à qui ces devoirs? Vraiment, je peux pas savoir tant qu'ils sont pas rentrés. Quand même gauler bizarrement avec son torse qui fait. Ouais, Logan, ouais. Ah oui. Nila, Oh putain, projet scolaire. Oh non, pitié. Qu'est-ce qu'elle a, les mortiflax? Ah bah oui. Bah non seulement elle est toute crâne, en plus elle va faire caca dans la rue. C'est pas génial, Nila. Hein. Je te dis direct. C'est pas comme ça que tu vas réussir à emballer Logan. Hein. Elle est Mims. Elle est Mims. Tu vas faire quoi? Tu vas faire la cuisine parce que c'est ton destin. Servir le déjeuner. Faut sans doute du BLT. Au moins ça c'est fait. Et moi je regarde s'il y a d'autres jeunes gens intéressants. Ah oui, c'est lui, il est déjà jeune. Ah. Décidément. Je pense que Raoul est vraiment en train d'anticiper le départ de notre amie la marchande pour pouvoir piquer son stand. Je suppute, hein, mais je pense que je suppute correctement. À moi les petits ados, à moi les petits ados, la 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 la. Là, 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 là. Et c'est déjà niveau 3 de la cuisine. Parfait. Bonne nuit, Lydie, des bisous. Repose-toi bien, à très bientôt. Vous savez que je m'endors à moitié là. Jure. Oh, vendredi et samedi soir, j'étais tellement naze. Je m'endormais.
mais d'une force. Avec ma maman, on regardait des trucs. On a regardé Reine du Shopping. C'est un truc entre nous, ça. Et on a regardé... Je sais même plus quoi samedi. Je m'endormais comme une merde. Oh, mais comme un gros caca. Mais vous avez pas idée. J'arrivais pas à tenir les yeux ouverts, quoi. Et je suis... Mais il est même pas minuit. Moi, je suis la première à être réveillée jusqu'à pas d'heure et tout. Et là, il dit même pas minuit. Ça... J'étais capote. Je fais bon, ok. Il croit que je suis fatiguée. Mais qui suis-je? Bah, on s'en fout. Alors, je vais cliquer. 1, 2, 3. Ouais, allez. Salut la drôlesse, comment vas-tu? Ah, j'ai mal au genou. Arrête du shopping, ça va pas, ma chérie. En vrai, je regarde même jamais, en fait. Hein. C'est seulement quand je suis avec ma mère que je regarde. On débat. Oh non, ça, on aime bien, ça. C'est pas bien, ça, c'est mieux. Tu sais, c'est en dehors de trop. Voilà. Comme j'ai pas la télé. On s'est des replays. On s'est tapé des replays. Écoute, ça va la drôlesse. Écoute, éreinté. Bah ouais. Ouais, 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 je comprends. Janine, tu peux aller faire. Ouais. Elle est parfaite, notre héritière, regardez. Elle a fait à manger, maintenant elle va faire ses devoirs. Mm-hmm. Mais j'ai oublié le... Ah oui, puis il y a ce... le pote. Il est où le pote? Elle a ramené un copain. Écoutez, je sais pas où il est. Ah là là, non mais franchement, la vie en... Ouais, là, ça va mieux. Ouais, écoutez, elle peut pas marcher comme ça hein, si elle a une assiette. Elle a quand même conscience que si elle fait ça, elle va renverser sa bouffe. Et la bouffe, c'est sacré. Tu veux te parler? Oh non, moi, je pleure tout le temps. Moi, je suis quelqu'un de très triste. Je suis en permanence en train de pleurer. C'est triste. Ah bah si. Bon allez Janine, promouvoir Zerg créatif, on s'en fout, ça marche plus. Tiens, Opaline Fougère. Ah. Bah oui, maintenant elle a bouffé. Elle peut refaire sa marche à la con. J'adore quand les ados marchent comme ça, ça me fait toujours rire. Ah, je vous jure, je les mettrai dans le placard moi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, mais pourquoi ils ont fait ça? Bon. Écoutez, je reçois des trucs des fois, je sais pas trop. Bon. Des mails. Eh, madame, on met pas ses talons dans son lit, hein. Parce que si tu marches de caca de chien, tu en mets partout dans tes draps. Madame. Madame. Oh, mais elle, Nila, c'est... Bon, bah, c'est... Ah, bon. Qu'est-ce qu'elle a, pommette? Elle pleure, et puis juste après, elle rigole, quoi. Tout à fait normal, cette fille. Tout à fait normal. Alors, les... Non, pas les jeux vidéo, Ghislaine. Tu vas aller faire de la photographie. Et oui. Puisqu'il faut que tu photographies. Ah, ça, c'est Logan qui... Ah, puis en plus, il y a des jolies couleurs. Tu vas venir ici. Oh, on va t'acheter un appareil photo. Comme ça, on fera des photos. On essaiera de faire des photos. Voilà. Appareil photo. Appareil photo. 2015. Ça, c'est un faux. C'est le mieux qu'on peut avoir. Parce qu'après, ça, c'est... C'est...
Débloquer un maximum de choses, performance, un carrière indépendant en tant que photographe. Bah ouais, c'est du caca, hein, c'est du caca, hein, on peut pas acheter. On est obligé d'avoir cette merde là, c'est pas très beau. Mais chut. Eh bien, on va aller faire de la photo. Je vais enregistrer parce que je crois que ça rame un tout petit peu. Salut Pleurnichard, comment vas-tu? Je passe mon téléphone, je vais mettre au lit. Ressenti chez moi 2h30 du mat. Ma pauvre. Et on va faire des fotales. Des fotales, c'est fatoul. Prendre une photo, tout simplement. Oui, j'étais en train de bouger. Oh, regardez, c'est beau. Les arbres, les fleurs, tout ça. Oh, la maison. Oh, oh. Oh non, on veut pas prendre avec le soleil. On va prendre comme ça. Je vais prendre en moyen. Clac, on va pas mettre de flash quand c'est en contre-jour. On met pas de flash, les enfants. Sachez-le. Alors, le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. La Miricorée. Tu passes toujours un bon moment avec Vanessa et Croissant et l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Ouais. Ouais, je sais. Surtout qu'il se couche là, mais faut pas le dire. C'est... Alors, est-ce qu'on monte un petit peu? Est-ce qu'on monte toujours niveau 1. Ça va être long, hein, la compétence photo. Moi, je vous le dis, ça va être long. Ça va nous faire chier, mais vous avez pas idée. Hein. Ah. Ouais, bah écoutez, je me suis dit pourquoi pas aller là. Oui, il y aura des photos jolies, il y aura des photos où on s'en fout. Hein. Je pense que là, clairement, on est sur une photo de merde. Où on va prendre l'arbre, voilà. On va prendre l'arbre, on va prendre en photo comme ça. On va prendre ici comme ça. Surtout que ça va me blinder mon disque dur, donc je suis déjà ravie. Pourquoi c'est jaune? Ah, parce que dans le reflet, ils ont mis, regardez, ils ont fait le reflet ici. De ma Sims et il y a son Plumbob qui est également en reflet dans l'eau, ce qui est absolument stupide. Écoutez, on peut pas tout savoir les neurones. Oh, je suis méchante. Qu'est-ce que je suis méchante. Ah, elle va aller faire des photos de des gens. Elle va devenir photographe officielle de Finch Week. Qu'est-ce que tu râles en fait, meuf? Regardez, instant de vie volée. Raoul qui vient de faire son sport. La Vioque qui regarde vers la mort. Et on sait pas qui t'es. Et Madame Gros Boubzi. C'est affreux. On va faire du noir et blanc quand c'est les personnes. C'est mieux. Merci beaucoup, Simso, pour ton follow. Bienvenue à toi. Et j'avais pas vu la gueule qu'elle fait, elle. C'est la colère. Bien sûr. Voilà, des magnifiques portraits. Hein. Moi, je vous dis, elle va faire une exposition. Vous allez pas en revenir. Hein. Ce sera Tronche de quartier, son exposition. C'est le film qui l'a fait pleurer. Et merci Nounou te déboire pour ton follow également. Et bienvenue à tous. J'aime beaucoup Nounou te déboire. Je sais pas pourquoi mais ça me fait rire. Ah t'es parti, excuse-moi. Ah non c'est il fait un anini pas la maman. Oublie-moi. Bah écoute tu peux pas lui parler. Puis en plus, il est loin, je voulais faire une photo, mais ça va ressembler à rien, quoi. Voilà.
Bah, il est là-bas, donc ça va être compliqué de faire une photo de lui. Bon, on s'en fout. Allez, Osef. Voilà! C'est le nom de mon chat. C'est le nom de ton chat, Nounou des Bois. C'est énorme. Pourquoi des bois? Parce que t'habites à la campagne. T'aurais habité en ville. Ce serait Nounou de la ville. Nounou de ville. Pourquoi pas, après tout. Hein. Qui sommes-nous pour juger? Je te présenterai mes petits chatons. Mais ils sont pas. Ils sont en train de roupiller pour l'instant. Je sais pas où ils sont. Et bienvenue à ton chaton également, hein, évidemment. Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était de la neige. Mais non, non, non. C'est les petites lucioles, c'est beau. J'allais dire, on les voit pas. Si, 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 on les voit. C'est ténu, mais on les voit. Voilà, regardez. Oh, magnifique. Mais on peut pas faire... on peut pas se balader... comme avec le trépied, pardon. Avec le trépied, on peut se balader, mais pas là. Je parle sur la... Pour faire la photo. On va faire des photos de merde, hein. Je suis ravie d'avoir autant de photos à galérer dans mon dossier de capture d'écran. Ça va être génial. Tu vas revenir... Je pense que ici, tu auras quand même pas mal de petites machins qui vont arriver aussi. Oh, Agnès la dentelle! Oh, t'en as plein. Les petites lucioles. Elle doit pisser. Ma pauvre petite! Qu'est-ce qu'on va prendre en photo? Je suis même pas sûre qu'on les voit, les lucioles, là-dessus. Par contre, on peut prendre une photo de Jacqueline, là, derrière. Tu vas voir que le temps qu'elle arrête de faire ses simagrées, il sera encore parti loin. Ah, et voilà. Et il est toujours de dos, le pauvre. Hein. Il s'échappe. Hein. Il veut pas être pris en photo. Je pense qu'on va repartir sur des photos moches. Là, il y a des petites lucioles un petit peu, mais c'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'il y a comme filtre? Oh! Ouais. 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 Je sais même pas si... Je pense pas. Si on fait comme ça dans la galerie, dans notre truc, on les a pas, cette couleur-là. J'en doute. Bonne nuit, Taylana. Oui, mon chat est un mélange de chat, de raton laveur et d'écureuil. Elle vit dans les arbres. À l'occasion, j'adorerais voir tes chatons. Oh, ben, il est passé tout à l'heure. Jamie, Titi, on le voit rarement. Hein. Titi, il est du genre discret. Moi, je le vois, mais vous ne voyez pas. Disons qu'il n'est pas du genre discret, mais il est du genre peureux. Slash, je n'aime pas être pris à bras. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Et Jimmy, lui, c'est un pot de colle. Pot de colle qui fait des conneries. Alors, madame était pressée pour pisser, mais d'un seul coup, elle se dit, je ne suis plus pressée puisque j'apprécie l'odeur du parquet propre. C'est logique. Elle se spécialise dans la photo moche de nuit, c'est très spécifique. Merci, c'est gentil, Tandori, de dire que mes photos sont moches. J'apprécie cet effort. Merci beaucoup. De bons opposés, tes chats. Ouais, c'est ça. Non, Titi, il n'était pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il... Enfin, si, il a jamais été très à bras. Il n'aime pas trop être pris. Mais il est très câlin. Il est très câlin quand il en a envie, évidemment. Disons qu'il est devenu plus chochotte ces derniers mois, alors qu'il ne l'était pas du tout. Et en termes de chouchouterie, et je pense qu'il se place pas mal. Oui. Il suffit d'avoir peur. Jamie n'est pas loin non plus hein, pour avoir peur. Il a peur.
Titi, c'est la star dans l'ombre. Mais oui, c'est mon Titi. Mon Titi coin-coin. Qu'est-ce qu'il a coin-coin ? T'es Dijon, hier et aujourd'hui. C'est le coin-cointeur professionnel. Quand je dis qu'il coin-cointe, c'est parce qu'il se met sur la table de salon. Puis je vois juste son petit nez dépasser comme ça. Et puis il miaule pour attirer mon attention parce qu'il veut jouer. Donc il coin-cointe. C'est fait. Pas un canard, mais coin coin quand même. Eh ben écoute, t'as qu'à faire le ménage si ça pue. Ah non, c'est ton mec qui pue. Bah écoute, t'as qu'à faire, t'as qu'à me laver. Ils sont toujours pas mariés d'ailleurs. Je pense que c'est dommage parce que je lui avais fait une très belle tenue, mais tant pis. C'est pour leur seul caractère qu'on les aime, ces petits cons. Tout à fait. Enfin, Jamie, j'ai encore des doutes. Hein. Il va finir par faire une belle paire de chaussons. Mais non ! Oh ! Elle fait bouffer. Alors, toi, t'as plus tes devoirs, d'accord. Vous avez toutes les deux abandonné votre cahier de devoirs. Ok, très bien, très bien. Je note. Et on en est où de la photographie ? J'ai peur. Bah, si, je pensais qu'on était même pas au niveau 2, mais si, on est à 2,5 déjà. Bon, c'est 5 points la photo, donc ça va, on est à la moitié. C'est juste que ça va me blinder le disque dur, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, tu connais une bonne photographe. Et c'est pas faux, Coco. Et c'est pas faux, Coco. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Oui, ça va ta connaissance, je repasserai une prochaine fois debout à 4h demain. Ah là, bah dis donc, t'es une collègue de... Qui c'est déjà qui se lève à cette heure-là? Je sais plus. Oh my god, j'ai peur de vexer tout ça. Qui c'est qui se lève tôt comme ça? C'est... Je sais plus, qui c'est qui se lève à 4h30? C'est Coco? Non, c'est pas Coco. Parce que je dis Coco, t'as le look, c'est pour ça que j'ai réagi Coco dans la tête. Nul. On a quelqu'un dans le chat qui s'est levé à 4h30 le matin. Non mais en plus comme je suis à moitié dans les gaz, faut pas m'en vouloir, hein. Oui, c'est la drôlesse qui se lève tôt. Mais voilà, vous devez être collègues sans le savoir. Mariage plus vieux, mariage heureux. Certes, donc on va attendre qu'il soit vieux, hein. Très 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 vieux, très très gravataire. Allez Aline, ils sont en train de clignoter pour mourir. Ça vous va? Bah vas-y Ginette, hein. Mange ton sandwich, hein. C'est cadal. Anna! Bon bah elle va puer, elle va aller à l'école en puant la pauvre. J'ai pas géré là. Pour le coup j'ai fait du caca. Salut Fanny, comment tu vas? J'ai une de mes chiennes qui grogne râle quand elle estime qu'on s'occupe, ignore un peu trop ou qu'elle veut jouer. Ouais. Bah moi j'ai Titi aussi qui se manifeste quand il veut jouer. Je trouve ça trop chou. Je trouve ça trop mignon. Il le faisait jamais avant. Il a développé ça quand Dex est parti. Il le faisait pas avant. Il se contentait de sa petite vie, tout ça. Et dès que c'est parti, il s'est retrouvé tout seul. Et ben, il avait envie que je m'occupe de lui, ce qui était déjà le cas. Hein. Mais il a développé cette espèce de coin-cointage sous la table. C'est mignon, quoi. Je bosse dans l'hôtellerie, peut-être une collègue. Ah oui, oui, mais il y a des chances. Comme ça, il meurt de bonheur à la cérémonie. Ah oui, puis on est débarrassé, clac. Et tandis que revoilà la drôlesse. C'est toi qui te lèves à 4h du matin, la drôlesse? Brachou. Vous allez vous faire des amis, les petits-enfants. Enfin, les petits-enfants. Mais faites votre vie, en fait, je sais pas. J'ai l'impression que si je l'ai... Bon, ça va, lui, c'est géré tout seul, comme un grand. Mais si je les gère pas au millimètre, ils font nawak, quoi. Enfin, ils font rien. Ils vont puer, ils vont crever de faim et tout. C'est assez n'importe quoi.
Une fois, je faisais un test sur une partie, tout ça, et j'avais un majordome qui était embauché par défaut. Le majordome, que je ne gérais pas, est mort de faim. Tu te dis à quel point ils peuvent être cons quand même, les Sims. Sur le téléphone pour entendre à 12 voix avant de dormir. Oui, est-ce qu'on a quelqu'un dans le chat qui se lève à 4h du matin? Je dis, vous êtes peut-être collègues sans le savoir. Voilà. Donc, c'est similitude. Comme eux-mêmes. Qu'est-ce qu'elle... Elle est... pro des boissons, amour électronique, en pleine forme, ravie à l'intérieur... Boissons ont au goût doux. C'est bizarre de dire ça, mais... c'est au goût doux ou doux goût? Non, au goût doux. Bah moi j'aurais dit au doux goût. Écoutez, hein, chacun son truc. Hein. Mais elle aussi est très mignonne quand elle m'est aussi très jalouse, douloureux à l'âge. Ah non, mais alors, sachez que maintenant quand je fais des câlins à Tyrion, j'ai Jamie... Qui râle. Jamie est jaloux. Jamie veut que je lui fasse aussi des câlins. Jamie est très chiant. Jamie est un petit con. Eh, va courir, Jacqueline, on va t'accompagner. On va te regarder te trémousser sur la voie publique. En soi, je rentre dans la matinée. Ah oui, ça va alors. Ici, ce sera nuit blanche. Aïe, aïe, aïe. Moi, ce sera noir et obscur. Obscur et sombre. Parce que je vais sûrement dormir comme une grosse merde. Hein ? Parce que ça fait du bien aussi de dormir comme une grosse merde. Il dit, ah, tiens, peut-être mon futur gendre. Qui sait ? Ben bonne soirée à toi, Nounou des Bois. Merci pour être repassé, hein, et puis repasse quand tu peux. Ah non, ça a bugué. C'est même pas pour du rire. Ah mais non, ça pleut. Ah oui, c'est vrai que c'est notre nouvelle mère, celle qui faisait un truc chelou avec son parapluie la dernière fois. Oh non. Ah, j'ai entendu le parapluie. Je me suis dit avoir commencé. Entre le parapluie et l'autre qui se douchait nu à l'infini, là... Oh, j'adorerais voir Agnès la dentelle se prendre un coup de foudre. Bah, pas métaphorique, hein, littéral. Comme ça lui changerait un peu son quotidien. Cette vieille peau. Cette vieille carne. Un petit coup de foudre pour Agnès. Et c'est pas mal, le coup de foudre pour Agnès la dentelle, non? C'est pour celui auquel on s'attend, mais bon. Du coup, les objectifs Génération Bleue avancent bien. Bon, on débute, hein. Mais c'est pas vrai. Mais quoi? Mais le jeu, il m'entend. Le jeu, tu m'entends, le jeu? Mais quoi? Mais pourquoi? Je pense que le jeu m'entend. N'hésitez pas à dire des trucs là parce que vous voulez de l'argent. Alors les abonnés, ils veulent tous de l'argent, hein, pas dans le jeu mais dans leur portefeuille. Hein, allez, je vais faire un gros cadeau, je vais donner 2 000 € à tout le monde. Bien sûr, à la part de jeu, pas de moi. 2 000 balles, ça va, ça, c'est cool, c'est un beau petit cadeau quand même. Mais quoi? Mais bah, coup de foot pour Agnès la dentelle, hein. Voilà, c'est littéral là, au moins bon. C'est, je suis devin, n'hésitez pas, Charlie là devin, c'est moi. Ah purée, c'est pas possible. Au moins j'ai le réflexe de lui mettre, de mettre en pause parce que c'était improbable. C'est improbable cette histoire là, je vais pouvoir le mettre sur Twitter en disant attention.
Tout le monde en rêvait. Le bon jeu l'a fait. Coup de foudre pour Agnès La Dentelle. Où t'as mis ta boule de cristal? Un endroit coquin. J'ai réussi fort, j'ai fait peur à mes voisins. Oh, bah on s'y attendait pas, je venais juste de le dire quand même, c'est ça qui est fou. Non, elle va peut-être pas mourir, elle va devenir toute cramée, hein. Oh la vache. Mais c'est énorme. Juste quand j'en parle, genre ouais, ça lui changera, ça lui fera du bien. Oh là là, la vieille carne cramée, là. Saloperie, va. Ah, regardez-moi comme elle est... Ah, oh, elle souffre. Ah, oh, elle souffre, Agnès. Souffre, oui, souffre. Saleté. Vieille guimbarde. Ça, c'est une boule de geisha. Ah, merde. Merde. Eh ben, moi, j'ai des goûts de luxe, hein, donc elle est en cristal. Bon, et eh ben écoutez, c'est fait. Check. Oui, elle s'est levée exprès. Elle a su que ça lui arrivait. Elle a dit, ah, Charlie veut que je me prenne un coup de foudre. Bah, je vais me lever, tu sais. N'importe quoi. Je sais que la mère à côté, elle a pas bronché. Non, elle dit, oh, bah, tout va bien. Ah, bah tiens, ça lui fera les pieds, cette vieille peau. Cindy. Elle est quand même venue à mon mariage me taper, moi et mon mari avec son vieux sac à main de merde. Alors c'est bien fait pour elle. True story, hein. Pour ceux qui ne savent pas, regardez Charmante Campagne. Voilà, vous aurez des surprises. Allez. Oh, mais mine deux, hein. Tout va bien, hein. Elle continue son histoire. Aïe, 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 aïe. Une petite deuxième, le jeu, s'il te plaît. Allez, allez, le jeu, donne-moi un deuxième coup de foudre pour Agnès La Dentelle, là. On puisse rigoler un petit peu encore. Donc ça va, lui, là, à l'abri, hein, donc... Elle fait plus jeune. J'ai cru que l'autre allait venir avec son parapluie, qu'elle allait l'achever en la plantant dedans, tu sais. Ah non, mais tout va bien. La meuf, elle s'est pris de la foudre sur la tronche. Elle est là. Ah oui. Ah oui, vous avez vu la nouvelle pâtisserie du boulanger? Ah, t'es incroyable, hein. Non, mais n'importe quoi. Elle doit avoir une tête hébétée, je suis pas sûre. Cool. J'ai cru que ça allait tomber encore sur elle, tu sais. Même son collier de perles, il s'en est pris dans... Il est tout cramé. Bah, elle... Vous avez un temps de retard, mesdames, quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Moi, dès qu'elle se lève, je me dis qu'elle va s'en reprendre un, mais non. Mais en plus, qu'est-ce que ça sous la pluie? Oh mon dieu, tous aux abris! Mais quoi? Eh, c'est un endroit maudit ici! Mais c'est un endroit maudit! Mais non, c'est elle! Mais quoi? Mais en plus là je l'ai bien. Oh, j'ai tout l'éclair et tout. Magnifique. Ah purée la Agnès là, pourquoi elle s'est recouchée? Pourquoi elle a fait coucou panier dans sur son banc? Alors là par contre la mère elle s'est dit oh! Oh bah merde! Oh bah dis, prochaine c'est moi. Pourquoi elle s'est levée? Elle était parfaite. Oh, regardez-moi cet éclair incroyable. C'est beau. Hein. Quand vous arrivez à faire pause au bon moment, c'est juste un... impressionnant. Ah, il faut être au taquet hein, là-dessus. Bonne nuit, merci à Lux. Des bisous, bisous, bisous partout, 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 partout. Petit coquinou. Il est temps qu'elle panique.
Putain, ça va être sacrément croustillant, ma caresse, t'as preuve sans prendre la foudre, c'est ça. Allez, bah, c'est l'heure de la pub également, je vais vous passer une belle page de pub, n'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous l'avez à la place de ce stream incroyable. Et puis ça veut dire que vous m'apportez quelques petits centimes sans rien faire, parce que c'est Twitch qui vous aura tiré au sort parmi les non-subs. Je vous fais des bisous, je vous remercie déjà par avance. Eh, c'est dangereux, hein, Endfordon Begley. Attendez, non, elle va se pisser dessus. Je suis au taquet. Reprends-toi la foudre, vieille peau. Par contre, là, elle est en train de se déboîter l'épaule. Hein. Je dis ça comme ça, les Sims. Ça, c'est un déboîtage d'épaule. Hein. Enfin, je suis pas médecin, mais ça doit pas faire du bien. Oh là! Ah oui, alors là non plus, ça fait... Non. Là, à ce compte-là, quand vous arrivez à ce niveau de rentrage de bras à l'intérieur, vous avez plus de bras tout court. Il reviendra pas. C'est pas possible. Là, c'est pas possible. C'est... Non. Avec la main comme ça, non. C'est très dangereux. Oh là, ah oui. Non, bah non, alors, non. Le bras, l'arrière, comme ça, qui fait coucou, qui fait Heil Hitler, la même, on dirait. Donc non, ça va pas le faire. Ça fait mutant. Il y a un léger bug, hein. Léger. Tout petit, c'est pas grave, on n'a rien vu. C'est... Ah! Un petit éclair, Agnès? Ah oui, ça y est, elle a sa set de shooter. Ne t'éloigne pas trop, Agnès, je pense que ce bon t'est destiné. On était tous les deux destinés à se demander pourquoi, toi et moi, destinés. On était tous les deux destinés. Merde. On l'a dans nos contacts. J'ai envie de verrouiller la cam sur elle. Je suis pas sûre. Et toi et moi. J'ai toujours des rêves de chansons incroyables. Non, je ne l'ai pas. Je suis obligée de la suivre comme ça. Hein. C'est triste. Hein. Merci beaucoup, Mamie Oda et Utopia pour les pubs. Mais ton jeu est pas possible. Et j'ai rien fait pour. Hein. En train de transformer les films en Phasmo. Les Sims en Phasmo. Allez, Agnès. Soulage-toi sous la pluie. Regarde. Entends. Ça donne envie de pisser, ça. Lâche-toi. Ta maison, elle est loin encore. C'est quoi, ça? C'est quoi, ce look? Oh là 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 là. Ils me font mal. Les Sims me font mal. Et merci. Merci pour vos petites pubs. Ça fait plaisir. Ah, elle va aller pipisser là? Sérieusement, Agnès, une dame de votre classe, de votre... Ça y est, s'en va. Vous voulez pisser dans les toilettes publiques pour finalement faire... bah, quand même, elle s'est réveillée, elle s'est dit... Mais je peux pas m'abattre à ça! Non, c'est pas vrai, faut que je m'en éloigne. Mais quand même, elle doit pisser. La pauvre. Vous savez, l'incontinence, à son âge, c'est pas évident, hein. Elle va retourner aux toilettes publiques, je le sens. Vous savez, je fais pause. J'aimerais trop qu'elle se reprenne un éclair, en vrai. Ouais. Agnès, tu me déçois. Ah non. Ah,
niaise dans les toilettes publiques. Oh, il a une augmentation de notre petite pomme. Oh, ouais, disons. Je suis déçue, Agnès. Tu as baissé dans mon estime. Tu ne vaux pas ce que je pensais. C'est la déception. La grosse déception. Servir le déjeuner de sandwich. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené à la maison? C'est une jeune fille. Mignonne. Alexandra Colette. Bon, après, c'est une jeune fille, donc moins intéressant pour nous en termes de... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi le membre de ta famille a un costume de lama sur la tête? Peut-on m'expliquer? Qui est-ce? Tu connais Super Lama de ta famille, t'es sûr? Je suis pas sûr de... Je ne suis moins sûr de toi quand même. Enfin bon. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Quand ils ont envie de faire pipi, on dirait qu'ils disent Philippe, Philippe. Philippe? Pourquoi? J'ai pas... Pourquoi Philippe? Ah. J'ai cru que ça aurait touché quelqu'un, mais non. Ouais, Agnès! Elle s'est échappée? Elle n'est plus sous notre surveillance? Elle est partie laver son petit costume, ses petites perles et son petit chignon? Et là, on la retrouve à poil sous la flotte. Non, elle s'est barrée. Ah, ça me tue qu'elle s'est pris la foudre en pleine tronche, là. Ça, c'était quand même assez merveilleux. Ah, 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 ah! Nous avons encore une dame avec une légère luxation de l'épaule. Ah là là! Ah oui, le bras qui pousse à l'arrière comme ça, c'est le début d'une mutation. Hein. Ça, c'est la radioactivité de Fukushima. Hein. Ça n'a pas fait du bien à tout le monde. Hein. Perso, je traînerai plus à ce banc-là, mais bon. Je crois que la mère, elle a envie de se faire un peu taper dessus. Bon, maintenant, je suis passionnée par les orages. Hein. Je ferai que ça quand je serai dans ce quartier, au cas où Agnès, elle s'en prend plein la gueule. Et ça me fera rigoler. De toute façon, on l'a pas. Je crois qu'elle est rentrée chez sa mère. Donc, elle n'est pas là. Quelle tristesse. Nous ne saurons jamais si elle se pourrait se doucher sous la pluie. Mais elle aussi, elle fait à bouffer. Mais tant que tu te mettais à faire à bouffer, en fait, je te l'ai demandé tout à l'heure. C'est pas grave. Eh, pourquoi t'es excitée, ma petite Alexandra, là? T'as vu le père des filles? Ça y est, tu dis, oh, mais il est beau gosse, il dit. On sait où elle habite, Agnès. Elle est... En fait, c'est un personnage qui meurt pas. Je crois. Mais je sais que moi, j'ai deux parties où il y a eu deux Agnès. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était dupliqué. Ah bah! C'est Agatha qui se l'est pris la foudre. Ah putain. C'est n'importe quoi. Oh, il y a tout le monde qui se la prend, la foudre. Ah mais la mère, elle est coincée derrière le banc, je crois. Oh la pauvre. Je crois qu'elle est coincée. Ah. Ah.
Est-ce qu'elle aime la malice? Oh, est-ce que notre petite Céleste aime la malice? Ah, attendez, je vais vous faire un challenge. Un sondage. N'importe quoi, challenge. Un sondage. Gérer les sondages. Comme ça, au moins... Après, ça va pas forcément avec ses objectifs, mais bon, vous allez me répondre quand même. Vous avez une minute pour pouvoir répondre au sondage. N'hésitez pas à refresher si vous ne voyez pas le sondage apparaître dans l'espace chat. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous exprimationner, évidemment. Toujours, comme d'hab, avec plaisir. Et puis, on se marre, nous, comme ça. Piéger les toilettes. Ouais, il faut avoir un certain niveau, je pense, pour arriver à piéger les toilettes. Téléporte là avec le MCC. Elle se démerde. Je pense qu'elle veut mourir à cet endroit-là. Oui, c'est vrai qu'ils sont chiants quand ils aiment la malice. Ouais, j'avoue que c'est chiant. Parce qu'ils font plein de sales coups, et puis ils plègent des trucs. Ouais, c'est vrai que c'est assez chiant. Mais bon. C'est vous qui choisissez. Vous êtes 85% à me dire que non. Elle n'aime pas la malice. Mais lui, il est temps qu'on le voit. Mais bon, vu la température, j'allais dire. Vu la température, surtout vu la météo. Je suis pas sûre qu'on... Et puis il est loin, quoi. Donc ça va mettre un petit peu qu'elle sorte le voir. Mais bon. Par contre, il est très très zen. Archi zen. Ce sont les Simspeeds qui font ça. Ah, mais si, ça m'a dit. En fait, je pense que ça dépend aussi du niveau qu'ils ont. Et salut Roman, comment vas-tu? Ils agacent les autres. Oui. Il est pas mal du tout, jeune homme, non. Ça fait partie des ados que j'ai installés. Mais bon, comme il y a orage et la distance et tout, effectivement. Tout le monde n'est pas bien loti non plus, hein. Bon. Le jeu, hein. Ça va faire un moment qu'on est sur cette save aussi. Ça commence à se voir légèrement sur certains Sims que... L'évolution physique de certains ne s'est pas allée en s'améliorant. On s'approche plus de l'animal que de l'être humain du départ. Ouais, t'as bugué, madame. Attention, tu vas te prendre aussi la foudre. Je te conseillerais pas de rester dans le coin. Du coup, je l'ai perdu. Le mec. Je sais pas où je l'ai... Enfin, je l'ai pas mis nulle part, mais... Il a disparu. Donc c'est tristesse. Bon, Janine, eh ben tiens, viens faire quand même des fautales. Où est-ce qu'on pourrait... Ouais, bon, viens là. À gauche. Attends, non, c'est mon héritière. Faut que je fasse attention à ce que j'allais dire. J'allais faire au pif, mais en fait, non, c'est mon héritière. Alors, contre les émotions, empathie, responsabilité. Voilà. Je vais augmenter l'empathie. De toute façon, la responsabilité, ça remonte très, très rapidement avec les devoirs. Donc, ça va. Et toi et moi, destinés. On était tous les deux destinés. Voilà. Il faut bien faire un peu de photos un peu tous les jours. Pourquoi pas, tu vas venir faire des photos de ta famille. Et te demander pourquoi, et toi et moi. Hop, on va faire des photos de pompote, pommette. Je suis en train de la mater à travers ses lunettes.
Et puis les filles, même si. Même si, bon, cette fille ne comptera sûrement pas pour. Voilà. Muchi Pichi? Muchi Pichi? Cette fois, je vous laisse sur la douce mélodie de Shirley. Vous avez refait ma soirée. Bonne nuit, la drôlesse. Bon courage pour toi demain. Des bisous. À bientôt. Raoul qui est toujours pas loin. Hein. Pour l'instant, je guette. Ah ! Agnès, elle a fait un petit brin de toilette, la revoilà dans la compète. Alors que l'orage prend fin. La mégère n'est jamais loin. Pas de crainte pour les signes malicieux. Ah, on va pouvoir reprendre ses deux petites activités. Le point de croix pour la vieille. C'est un peu plus safe que se prendre un petit éclair, n'est-ce pas? Ah bah ce fut rapide. Et s'est dit, oh là là, mais il est 20h30. Je dois prendre mon suppositoire et me mettre au lit. Allez, au revoir. Hein. Et à la prochaine fois. Hop, elle est partie. Elle est partie pour de bon. Elle est partie, tout le monde est con. À ses yeux, la petite vieille. Nanana, nanana. Salut Dipsy, comment vas-tu? Ah, bah, tout tranquillement. Voilà, responsabilité remontée. Elle va mettre son... ses devoirs dans son truc, là. Bon, elle va se démerder. C'est quoi tes trucs, là? Devenir adulte, dépenser 1000 euros. Ouais, de toute façon, ça, on fera quand on fera sa maison. On va attendre qu'elle devienne jeune adulte. Une fois qu'elle sera jeune adulte, on pourra déménager à Soulani pour refaire sa maison. Et puis, il faut un mec, toujours, hein. Oh, purée! Laurent Modo. Modo? Non. Patrick Camberge. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, là. Il y a des quelques monstres. Hein. Il y a quelques monstrosaures. Ah, quoique, Alexandre Richard. Vas-y, fais-le venir un peu. Oh, je pense que ça va se terminer. Se jouer entre Huge, Yann... Sean et Eric. Il y aura un peu pour tous les goûts. Hein. Je pense qu'il y aura un peu pour tous les goûts du chat. Ce serait si je vous fais voter. Je sais pas. Parce qu'il y en a qui vont regretter de ne pas avoir été là. Donc c'est ça le problème. Ça va bien, Dipsy, merci. Je suis fatiguée. Ça fait une semaine que j'ai pas stream, mais... Je vais me remettre dans le bain et bon, je suis un petit peu fatiguée. Mais ça va aller. Mais elle l'a appelé, machin? Ah, il arrive. Il est là! Bon, c'est visiblement pas un adolescent que vous m'avez créé. Hein. Ouais. Bon, c'est pas qu'il est moche, mais bon. Bon, voilà. Non. On va dire que finalement, elle lui a fait un prank, elle l'a fait venir pour rien. Aïe, aïe, aïe! Attention, là! Tu peux réparer ou pas? Je suis sûr qu'il va me dire non et qu'il peut pas, comme d'habitude, parce que c'est encore bugué. Je sais pas si... je me suis trompée. Je sais pas si les Sims Guru ont parlé du fait de réparer un petit peu ces baignoires qui cassent là, qui sont pas réparables, parce que ça me... Ce serait sympathique, quand même. Il a
pas de yeux ce blond. Bah si, il avait des yeux bleus. Si, mais... Ce serait... Il s'est invité tout seul. Serais-tu un petit peu bizarre, monsieur, d'avoir peur pour... Ouah, c'est effrayant. Oh, cachez-vous les yeux, les abonnés, vous allez avoir mal, vous allez avoir peur comme lui. Puis alors, un style toute épreuve. Des bardeurs magnifiques. Cette tronche. Je sais pas, il a des yeux chelous. J'ai le même bug avec la baignoire, c'est pénible. Ouais. Ouais, c'est très pénible, ouais. Surtout que si t'as pas les sous pour la faire remplacer, bon ben tu peux même pas la réparer quoi. Alors que c'est le jeu quoi, tu te dis bon, une fois que t'es riche, nous ça va, on a un petit million donc on peut se permettre de la réparer. Mais le Lord and Lady par exemple, c'est beaucoup plus chiant. Parce que le gameplay, normalement, j'interdis le fait de remplacer. Donc là je suis obligée de le faire parce que c'est buggé. Donc c'est chiant. C'est chiant, c'est pas réaliste. Non, merci beaucoup, Dipsy, pour ton Prime. Merci énormément. Je te... Bah, gros bisous à toi. Smiley boule, parce que merci. Et puis merci pour le soutif. C'est super gentil. Qu'est-ce qu'il veut faire Bah, il va dormir. Bah, il a bien raison. Il a bien raison. Elle est toujours sur son truc. Non, mais Jacqueline, tu vas partir. C'est bon. Il va être 23h, tu vas pas commencer à squatter la baraque. Nos jeux vidéo ne servent qu'à notre foyer. Et puis Pomme, elle va aller aussi dormir. Qu'est-ce... Ah oui. Et puis après, on se fait une dernière petite journée de cours pour les filles. Ce sera mercredi. Qu'est-ce que... Pourquoi tu te lèves? Tu veux encore passer par une phase? Ah non, tu veux... Ouais, bon, bah, passe par la douche si tu veux. À pleurer. Bah oui, ça c'est la mélancolie de la génération bleue. Et salut Isa, comment vas-tu? Bienvenue sur le chat. Alors c'est marrant parce que c'est ton premier message sur le chat, mais tu as déjà bénéficié d'un sub. C'est incroyable, tu es déjà sub alors que tu n'as jamais parlé. Comme ça, j'espère que tu profiteras de ce sub et des émotes qui y sont reliées. Je recrédite les sous par contre, mes sims sont pauvres. Ouais, 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 je comprends. Désolée d'être partie sauvagement, belle maman a appelé. Bah qu'est-ce qu'elle voulait, belle maman? Elle était gentille, j'espère, hein. Sinon moi je la tape. Hein. Oh, les deux qui se lèvent en même temps. Bah écoute, Jeannette, elle va aller manger. La télé qui reste allumée toute la night. Il y a un fantôme qui a joué au jeu vidéo. Attention. Et bye Dipsy, merci beaucoup en tout cas pour ton passage. Petit golf. C'est toujours la rousse qui gagne, hein, c'est normal. Hein, c'est... Les rousses, c'est les meilleurs. Les faux et les vrais, hein, ils gagnent. Ah, là, c'est... C'est toujours une fille, d'ailleurs, je crois. Là, c'est le gars, c'est le mec. C'est assez rapide pour jouer, quand même, hein. Faut... Lui, il a cassé son truc, j'avais même pas vu. C'est complètement con. C'est complètement con. Bah, j'avais jamais vraiment fait attention au jeu, donc c'est pour ça que je regarde. Bah alors, Jeannette, tu peux jouer. Cet objet... Hein? La console, elle est cassée? Trop drôle. Mais depuis quand? Elle fait pas de bruit? Elle est juste allumée rouge. Ah! Oh bah quel programme! Nan, nan, nan,
Bah oui, t'es chanceuse. Ça fait plaisir de recevoir un sub. Bon, allez. Oui, on va aller à l'école, là. C'est pas encore l'heure. Est-ce que t'as fait des connaissances, toi, intéressantes ou pas, au niveau des garçons? Samuel Green Arbor. Burke. Oh, Marina. Eh, mais les enfants de Le Hulk, ils ont l'air méga beaux, en fait. C'est-à-dire que là... Viens, viens, Marina. Je vais appelle. Alors, appelle les deux avant que tu ailles en cours, qu'on puisse regarder le bétail. Les deux enfants, parce que ça, c'est ça se voit. C'est la fille de Le Hulk, ça. C'est sûr. Ouais, Le Hulk est clair. Ils ont l'air trop beaux, en fait. Je suis choquée. Mais pas déçue. Après, tu iras en cours. Nous, on veut juste voir les enfants de Le Hulk, hein. Alors, Guillaume, on le savait déjà qu'il était beau gosse. Bon, eh ben ça, c'est sa fille. Bon, brut de décoffrage, hein, on l'a même pas relooké. Bah, dis donc. Bon, le menton est pas top top. Mais j'ai mis le Hulk avec une meuf. Bof, comme ça. Le résultat, il est quand même très intéressant. À la tienne, Coco. Hey, le fils et la fille de Le Hulk sont des beautés. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Et je crois qu'on en avait fait trois. Donc il doit y avoir un troisième qui se balade quelque part. C'est quoi cette robe? Ah, c'est... D'accord. Je voyais avec le volant comme ça chez mes... Je me souvenais pas, moi, de ce truc-là. Ah oui, d'accord. Tu te téléportes comme ça, toi. Tu te dis pourquoi pas au final. Elle est trop cute, hein. Tu es tellement drôle. Et Guillaume, il est pas là? Ah si, il est là. Mais lui, on l'avait déjà vu, hein. C'est pour rappel. Guillaume, son grand frère. Alors là, il fait son ténébreux, là. Je regarde loin parce que je suis pensif. Et je poste cette photo sur Instagram. Sur Simstagram. Regardez-moi ça! Bon, là, il fait sa petite moue, hein. Mais bon. Bon, là, il fait pas sa moue, mais il fait sa gueule. Mais. J'ai envie de dire. Peut-être que je pense à les récupérer dans la save, là, pour pouvoir les partager. Parce que ils sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt pas mal. Quoi? Mais y a rien de sale, wesh. Je voulais avoir sur le même écran les deux. C'est pas mal. C'est du bon, c'est de la bonne bouffe, c'est de la bonne c'est du bon bétail. Hein. Le Hulk, il a bien bossé. C'est intéressant. Tu peux manger, toi, te laver, tout ça, je sais pas, avant d'aller. Faut les partager. Pas de soucis, Topia, des bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Je vais accélérer un petit peu. Ah, mon pauvre, tu vas encore faire le ménage. Nila a rencontré Alia. Et Céleste a rencontré Pierre. Bon, la semaine pro, on fera le choix du petit ami, parce que... On va remplacer. Ah mais non,
c'est vrai, on a une femme de ménage. J'avais oublié, moi, je lui fais faire tout le ménage. Non, lui, il passe juste l'aspirateur. Ce qui est une occupation en soi vraiment très... très sympathique. C'est intéressant de passer l'aspirateur. Hein. Moi, j'ai un robot qui le fait à ma place. Ça... Je délègue. Allez, ça, c'était cool. Merci d'être passé. Et elle, je suis sûre, elle va pas bosser. Eh ben non. Tu sais quoi, Janine? Tu peux aller courir. Va faire un jogging énergisé. Il pleut pas. Il y a pas d'orage. C'est safe, tu peux sortir. Si tu vois une nièce à dentelle... Pars-toi. En courant. Quoique non, officiellement, ils se connaissent pas, donc ça va. Tu vas recourir. Oh, le look. David Romanoff. Il a des beaux yeux. Au niveau du look, c'est particulier. C'est chatoyant. Il est aux couleurs de l'automne. Il y en a, ils étaient à la faveur de l'automne. Lui, il est aux couleurs de l'automne. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur appelle. Bah oui, c'est bien. Alors, il va falloir quand même, comme même. Tu vas faire à manger, servir le déjeuner. Allez, une petite foire aux proutes ce soir. Haricots saucisses pour tout le monde. La foire aux proutes, elle, on s'en fout, clac. Voilà. Contrôle des émotions augmente, très bien. Et niveau 4 de la cuisine. Ça va vite. C'est facile. De toute façon, la cuisine, c'est assez facile à monter. L'éducation, encore plus facile à monter. Va manger aussi, et puis voilà. Après, je leur ferai faire leur dossier. Leur dossier. C'est pas leur dossier, n'importe quoi. Leur faire faire leur... ça. Enfin, elle. On va faire que celui de Céleste, hein, on va pas se... Voilà. On a déjà fait une étape de super parents. Au revoir. Ah, il y avait encore le cousin. Bon... Il y avait encore le cousin, tu vas aider, et puis tu vas aider, comme ça, ça sera très rapide pour le finir. Ah ben, dis donc, le cousin! Qu'est-ce qu'il fait à moitié nu dans le salon? C'est dommage que ce soit le cousin, parce que bon, on ne laisserait pas dormir dans la baignoire, viens. Allez, plus d'en être fou, moyen de riz, pour faire ce magnifique projet scolaire. Ok, mignonne. J'ai pas encore fait ma miniature. Ce dernier visage de ce challenge. Parce que les prochains seront aléatoires. J'aime bien avec le fond bleu. Oh, elle a rien foutu, elle a juste parlé à sa sœur. Waouh, il fonctionne. C'est trop bien. C'est mieux que R2D2, dit. Il y a plus de fonctionnalités. Je vais refaire un petit... Ouais, mais toute tête.
Voilà. Quelle est belle notre petite héritière. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est beau. Regardez-moi ce soleil immense avec ce ciel rose. C'est beau. C'est très beau. D'ailleurs, tu vas prendre une photo de ça. Ouais. Ah ben, on voit rien de chez toi. C'est pas grave. C'est... Quitte à blinder mon truc de photo, dont y aller avec de la merde. En petite serviette, il est pas timide celui-là. Bah, c'est le cousin. C'est sur la famille, donc ça va. Pourquoi se sentir gêné? On est en famille. Et salut la cantinade, comment vas-tu? On va partager les coussins. Oh, pas de soucis, Kitty, des bisous, bonne nuit à toi. Nous également, nous allons bientôt finir ce petit épisode tranquillou bilou, quoi. Commence tout simplement à travailler un petit peu les compétences. Pour Céleste, on cherche timidement... Non, Pierre, il est moche. Pierre est moche. Le futur mari ou concubin. Je pense que ça se décidera entre Hugues, Yann, Eric et Sean. Alors, c'est pas moi qui ai pété, c'est ma chaise. Si vous avez entendu un bruit chelou. Voilà. C'est ma chaise. Je deviens trop gros, ça va plus me supporter. Mais ouais, on fera ça la semaine prochaine. Ben, ça va bien, Quentin, ça va bien. Fatigué, mais ça va. Ça va, ça va. Tranquillou. Pourquoi tu restes, tu gagnes la responsabilité? Après, fais tes devoirs en vrai. Je te demande pas, mais fais-les. Ah, Céleste, elle est partie se coucher, elle a rien demandé. 21h30, elle s'est dit, moi, je suis ta première de la classe, t'as vu. Alors moi, comme j'ai fait mon projet scolaire, c'est un super robot avec lequel j'ai pas du tout bossé dessus. Hein. Eh ben, je me couche à 21h30 pour faire genre, quoi. Voilà. La petite Célestine. Hein, Célestine. Célestine, ça fait vieux prénom. Et en même temps, on se dit pas que le diminutif, c'est Céleste. Voilà, je viens de capter. Il me faut pas grand-chose, moi, des fois, pour révolutionner tout mon existence. Oh, Céleste, Célestine. Ouh là là, my god. Ouh là là, my good. Bon, tu perds pas de poids, hein, cocotte. Je sais, il y en a qui me diraient, mais pourquoi tu vas lui faire faire du poids? Elle est très bien. Oui. Elle est forcément très bien, elle est mieux que moi. J'ai quand même envie qu'elle perde un petit peu. Elle est à fond, hein. Je vais énergiser. Vas-y, ouais. Et ben voilà, responsable. Oula, monsieur. Alors, les piercings, il faut pas les mettre comme ça. Ça rend pas bien. Non, c'est... Non, non. Oh, pff, mélange de couleurs, là. C'est terrible, hein. Ouf. Ah ben, j'ai hâte avec le futur Ricky Kids, là, au niveau des looks. Ça va être sympa aussi, hein, cette histoire. Le mode aléatoire des PNJ va pas aller en s'améliorant, hein. Allez, rentre chez toi, va. Ma courgette. En plus, elle est verte, donc elle s'appelle bien courgette. Ça, je trouve que ça lui va bien. Vous savez ce qu'on dit dans le jargon? Courgette, tu vas bien? Encore meilleur le lendemain. Ah, Céleste passe par une phase. Aïe, 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 aïe. Tu t'es levée exprès? Tu pleures, ma cocotte? Va pleurer. Va mouiller tout le monde et tes draps. Et attention à pas te prendre la foudre comme Agnès Ardantel, ce serait drôle. Enfin, ce serait pas drôle, je veux dire.
Ce je lis en même temps, je lis on va rire. Mais nous, on va pas rire. Non, ce sera pas drôle. Pomme de nerette et pomme d'api. Tout à fait. Mais Pommette, elle va prouter là. Elle va bouffer les proutes. Là, vous voyez, elle mange, ça lui fait déjà des choses en bide. Puis elle va, là, elle va vous larguer des trucs. Vous êtes pas prêts. Je sens que ça vient là. Il y a personne derrière. Parce que bon, si je le lâche maintenant. Ouais, ça va être dégueulasse. Quoi. Il y en aura partout sur mon pantalon, sur le canapé, sur les murs. Il ouais, faut vraiment qu'il y ait personne. Quoi. Ça commence à arriver. Ça commence déjà à sentir. Je sens le bout. Enfin, je veux dire, littéralement, avec mon nez, quoi. J'attends que ça, qu'elle largue un P pour faire partie de l'histoire. Non? Oh, Pommette! Je suis triste! Bon, elle va quand même aller se coucher. La maison est sale. C'est pas grave. On verra ça la semaine pro. Mais où est-ce que tu vas? Pourquoi tu penses à une couche, toi, d'ailleurs? Non, t'es pas... Bon, écoutez, on va les laisser faire ses devoirs. Pommette, tu vas te coucher. Voilà. Oh, ce tapis. Ce tapis de l'enfer. Qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi tu pleures? Parce qu'elle est morose, je sais. Si tu veux, tu fais tes devoirs et après dodo. Hein. Parce que t'as fait ton projet scolaire, donc t'as pas besoin de faire tes devoirs. Mais bon. On sait jamais. Et ben voilà! Allez, arrête de dire des mots sales comme ça et au dodo, ma petite Célestine. Et ben voilà! C'est ici qu'on va s'arrêter, les enfants, et on se met sur pause et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, normalement. Si, on aura quand même la semaine prochaine. Et ben je vais remercier Twitch d'avoir été là ce soir, d'avoir délire avec nous. Avec moi et bien sûr à YouTube d'avoir regardé cette rediff. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires, pourquoi pas, lequel vous préférez parmi les garçons qu'on a vus. Et puis on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour la suite d'une autre Sauberry, la génération bleue. Donc on a encore un peu de temps avant qu'elle soit jeune adulte, mais bon, on pourra du coup la caser avec son futur chéri et le père d'au moins un enfant. On verra après. On a le temps pour ça. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette rediff. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, fallait que je le sorte quand même.